Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai quatre romans dont je souhaite vous parler. J'en ai deux en physique et deux que je n'ai pas parce que je les ai rendus à la médiathèque. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, ces derniers temps, il y a beaucoup de nouveautés à la médiathèque qui m'intéressent beaucoup. Donc je les prends avant qu'ils disparaissent et je les lis presque aussitôt. Et après, je les ramène directement à la médiathèque parce que j'ai pas envie de faire attendre les autres. Je trouve ça chouette de réagir vite et de ne pas faire attendre les autres. Et bon, ça, ce n'est qu'un avis personnel. Tout le monde ne fait pas pareil. Et en plus, comme je prends des livres de la médiathèque, du coup, je culpabilise de ne pas lire mes livres. Donc, j'alterne un livre de la maison, un livre de la médiathèque. Comme ça, je trouve qu'il n'y a pas de frustration qui s'installe. C'est très, très chouette. Alors, je vais vous parler d'un feel good, d'un thriller, d'une comédie et d'une saga historique et familiale. Donc il y en a pour tous les goûts. On va commencer par le feel good. J'ai lu Un coup de soleil de Serena Giuliano. C'était la première fois que je lisais cette autrice. Donc on est... L'histoire se passe en Italie, à Salerno plus précisément. Je ne me souviens plus du prénom du personnage principal, j'aurais dû le noter. En tout cas, on est avec une femme qui a bientôt 40 ans. C'est important de préciser dans cette histoire. Elle est maman célibataire de deux jumeaux ados, un garçon, une fille, et leur relation se passe très très bien. Elle est femme de ménage en Italie, bien sûr, et en revanche, elle est française. Elle est venue en Italie avec le père des jumeaux, par amour, et en fait après, elle y est restée. Et donc on suit un petit peu son quotidien en fait. Elle nous raconte sa vie chaque jour, chez quel client elle va, nous parle à chaque fois de chaque client. Au début du livre, elle se remet, enfin elle essaie de se remettre d'un chagrin d'amour. Elle vient de rompre avec son amoureux, on va dire. Et elle a beaucoup de mal à refaire face. Mais grâce à ses enfants, grâce à ses amis, grâce à ses clients aussi, parce que en fait... certes, elle fait le ménage chez les gens, mais quand on fait le ménage chez les gens, on découvre un petit peu de leur vie. On est vraiment dans leur intimité. Et il y a certaines personnes avec qui on peut discuter. Et donc, elle, ça va vraiment être à double sens. Ses clients vont lui faire du bien, vont la changer de sa routine. Et en même temps, elle-même, elle va être aussi un soutien pour certains de ses clients. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a une très très belle relation entre elle et ses enfants. Également avec une amie de ses enfants qu'elle accueille très souvent chez elle. Et on nous parle beaucoup de la ville de Salerno. C'est vraiment un personnage dans l'histoire, je trouve. Ça se passe en été, donc à un moment où les enfants sont en vacances. Donc il y a aussi l'histoire des enfants, comment ils vivent leur été et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai lu ce livre le week-end où on a eu 30 degrés. Donc j'étais vraiment dans la bonne ambiance. C'était très chouette à lire. Ça se lit très très vite. Je me souviens plus combien de pages il faisait. Dans mon souvenir, il n'était pas très court, mais il n'était pas long non plus. Donc ça se prêtait très très bien pour un week-end. Donc j'ai beaucoup aimé. La plume de l'autrice est très simple, mais en même temps, elle est quand même assez drôle. J'ai trouvé qu'il y avait des tournures qui étaient très très bien faites. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le côté humain qu'elle donne à tous ses personnages. Elle en fait... Il n'y a pas de méchants. Enfin, il y a quelques méchants, mais... C'est pas caricatural et surtout elle voit, on a l'impression qu'elle voit de la bonté en chacun des gens qu'elle peut rencontrer et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a donné aussi envie d'en savoir plus sur la ville de Salerno parce que c'est vrai que c'est pas une grande ville, c'est pas les villes dont on entend le plus parler quand on parle de l'Italie, donc ça m'a donné très envie. Donc c'est un roman qui m'a fait du bien, qui m'a sorti vraiment de mon quotidien. J'ai trouvé ça très chouette, donc je suis sûre que je relirai d'autres livres de cette autrice. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, je suis partie sur un thriller. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de thriller, je crois. C'est Disparition de Nicolas Nutten. Je l'ai acheté assez récemment, si je ne me trompe pas. Je ne connaissais ni le titre, ni l'auteur, je n'avais jamais entendu parler. Mais rien que le titre et la couverture m'ont donné très envie. On voit un train ou un métro dans un tunnel. Et donc ça m'a donné très envie, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en fait, quand j'ai voulu enregistrer dans Babelio, j'ai vu qu'il y avait d'autres couvertures de ce livre.
Et les autres couvertures, elles ne donnaient pas du tout, du tout envie. Et je me dis que si j'étais tombée sur les autres couvertures, j'aurais pas acheté. Donc je suis contente. Le hasard a bien fait que je tombe sur celle-ci et que je l'achète parce qu'il était très très chouette. Et si je l'avais pas acheté à cause d'une autre couverture, ben, je serais passée à côté de quelque chose. Donc là, c'est aux éditions France Loisirs. Ça se passe à Paris en août quelque chose. En juillet, ça commence fin juillet 2018. Alors j'ai bien aimé parce que dans les premiers chapitres, à chaque fois on nous dit quand est-ce que c'est, à l'heure exacte. Donc les premiers chapitres s'enchaînent assez vite et dans un laps de temps assez restreint. Et donc on est à Paris, on a un couple qui ont la vingtaine ou la trentaine, un garçon et une fille, qui un soir prennent le métro. Je crois qu'ils reviennent du travail ou quelque chose comme ça. Ils veulent rentrer chez eux, donc ils prennent le métro. Et en fait, dans le métro, à l'heure de pointe, à un moment, la rame de métro s'arrête brusquement à un endroit qui n'était pas du tout prévu. Il n'y a pas de lumière. Les rames s'arrêtent les unes derrière les autres. Donc il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans le tunnel du métro. Ils n'ont aucune information de la part de la régie de transport. Et tout le monde commence à s'inquiéter. Il y a des gens qui font des crises de panique et tout ça et tout ça. Et au bout d'un moment, ils vont finir par sortir, mais ils ne vont pas sortir ensemble. Ils vont faire sortir d'abord les enfants et les femmes, comme sur le Titanic, et les hommes restent à la fin. Et à la fin, tout le monde réussit à sortir, les pompiers finissent par arriver et tout ça. Mais il va se passer quelque chose entre-temps dans le métro. Et en fait, l'homme, quand il va se retrouver à l'extérieur, il va se rendre compte que sa compagne n'est pas là. Donc il demande aux pompiers s'il reste encore quelqu'un dans le sous-sol du métro, leur dit non, tout le monde a été évacué. Et en même temps, avec les caméras de surveillance, ils ne l'ont pas vu sortir non plus. Donc, sa compagne a disparu. Personne ne sait où elle est. Il va rentrer chez lui, elle ne sera pas chez lui. Et du coup, tout le roman va se passer à la recherche de cette jeune femme qui a disparu. On ne la voit sur aucune caméra de surveillance, on ne sait pas du tout où elle est passée. Donc, voilà l'histoire. Ça se passe en juillet-août 2018 à Paris. Et du coup, comme ça se passe dans les métros, dans le métro de Paris, eh bien quand ils vont faire leurs recherches, forcément ils vont devoir aller fouiller dans les catacombes de Paris. Et ce côté-là m'a beaucoup beaucoup intéressée, j'ai trouvé ça très bien fait. Tout se passe vraiment en un laps de temps très serré autour de Paris et j'ai trouvé ça hyper bien fait. On ne s'ennuie pas, ça se passe très très vite. Les personnages principaux, ouais, ont la trentaine. Et après, on a d'autres personnages qui arrivent après, qui sont plus âgés. On a aussi une petite enquête de police qui se met en place parce que il y a cette histoire de disparition. Quand il voit qu'il ne la retrouve pas, il va au commissariat faire un avis de recherche qui va être pris en compte, bizarrement, parce que c'est une adulte. Donc, des fois, ils disent « revenez dans quelques jours si vous ne la voyez pas ». Mais là, ils ont pris sa démarche au sérieux. Donc il va y avoir une enquête parce qu'en plus, entre temps, il va se passer des choses qui vont faire que la police va vraiment s'intéresser à ça. Ça va être en fait plusieurs... ça va être deux choses qui vont se rencontrer, qui vont se percuter pour former après qu'une seule enquête. Et c'est très bien fait. Alors après, l'histoire de la police va s'arrêter quand même assez vite. Mais on change toujours de point de vue en fait. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Il n'y a pas de temps mort et en même temps, on ne s'ennuie pas. Mais en même temps, on n'a pas le temps de se demander mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté parce que ça arrive toujours à point nommé. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Il y a une histoire de catacombes de Paris, de disparition, de labo pharmaceutique, de secrets. Et j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai adoré. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur. Je pense que oui. Mais en tout cas, si ce n'est pas un coup de cœur, c'est en tout cas une très 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 bonne lecture. Donc je vous le conseille si vous aimez les thrillers. Ensuite, j'ai lu un autre livre de la médiathèque, Le syndrome de l'hippocampe de Zoé Brisby, qui porte un autre nom. Après, en poche, il a changé de nom. Ils l'ont appelé Bon baiser de Copenhague. Donc c'est le même livre, exactement. Je suis allée vérifier parce que je me dis peut-être que c'est une suite, mais non. C'est le même livre, il a juste deux noms différents en grand format et après quand il est sorti en poche. Donc le syndrome de l'hippocampe, c'est une comédie pure jus. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que je sortais du thriller. Et le soir, avant de me coucher, en fait, il me restait assez de temps pour commencer un nouveau livre. Donc j'ai pris celui-ci.
Mais c'était pas du tout la même ambiance, et du coup j'ai trouvé le roman très niais en fait au début, le syndrome de l'hippocampe. Les deux personnages principaux qui sont des femmes, je les trouvais vraiment idiotes, vraiment et c'était vraiment plutôt agaçant. Et du coup le soir quand je me suis couchée, que j'ai refermé mes livres, je me suis dit, je suis pas sûre de continuer, ça me plaît pas trop et tout ça. Et après, le lendemain, une fois que j'avais digéré le thriller, je me suis replongée dans la lecture et là, j'ai commencé à apprécier. Et finalement, c'est un chouette livre. Mais voilà, faut quand même être dans le bon mood, j'ai envie de dire. Donc là, on est avec deux jeunes femmes, je crois qu'elles s'appellent Camille et... Et je sais plus qui. Bon, en tout cas, on a deux jeunes femmes qui sont voisines. L'une vient de rompre, ou il n'y a pas très longtemps, elle a rompu, ou en tout cas s'est fait larguer, je ne sais plus. Et en fait, elle veut un bébé. Elle veut un bébé, sauf qu'elle est célibataire et que elle approche de la quarantaine. En tout cas, elle a passé les 35 ans, donc son horloge biologique fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle se dit, il faut que je me dépêche, parce qu'après, je ne pourrai plus avoir d'enfants, je serai trop vieille et tout ça. Et sa voisine lui dit, t'as encore le temps, c'est pas grave et tout ça. Et en même temps, elle se dit, enfin, elle va faire des recherches, dit, peut-être que je peux faire un bébé toute seule. Et donc, elle fait des recherches sur Internet et elle tombe sur une clinique de fertilité au Danemark qui peut l'aider à tomber enceinte et tout ça. Et donc, il y a un catalogue avec les donneurs, enfin, vraiment le cliché total de la clinique de fertilité avec Internet et tout ça. Et du coup, il va y avoir certaines réflexions. Elle va se demander, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est bien d'élever un bébé toute seule? Enfin, elles vont vraiment avoir une réflexion toutes les deux. Et donc celle qui ne veut pas avoir de bébé, enfin la voisine de celle qui veut avoir un bébé, c'est vraiment chiant de pas connaître les prénoms. Faut que je commence à les noter parce que j'ai pas le livre. Donc la voisine de celle qui veut un bébé, elle recherche pas du tout à avoir un bébé. Elle vit une relation amoureuse mais à distance. Son compagnon vit en Amérique du Sud et elle est en France. Donc il ne se voit que par Skype. Et elle a une conscience écologique très 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 développée. Elle a des idées très arrêtées là-dessus. D'ailleurs c'est pour ça qu'il se voit à distance parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion. Lui il s'occupe de tortues. Il est aussi militant écologiste. Elle aussi. Et du coup... avec ces deux jeunes femmes, ça va être très drôle parce qu'elles vont finir partir au Danemark. Alors au début, sa copine lui dit, si on va au Danemark, il faut qu'on fasse du covoiturage ou qu'on utilise des moyens de transport doux et tout ça. Vont chercher une solution, mais finalement, ils vont rien trouver, elles vont finir par prendre l'avion. Et arrivé à Copenhague, enfin au Danemark, c'est vraiment là que l'histoire va vraiment va accélérer. Et devenir vraiment chouette parce que elles vont découvrir le Danemark, elles vont découvrir les habitants, la manière de vivre au Danemark. Et j'ai trouvé ça très drôle. Alors c'est très cliché, mais c'est pour ça que c'est drôle. Et en même temps, par-ci par-là, l'autrice nous fait quand même réfléchir sur les différentes problématiques de ce livre finalement. On y parle de maternité, de maman solo, d'adoption. D'horloge biologique, on nous parle d'écologie en même temps. Donc il y a plein de thèmes qui sont abordés de manière très subtile et de manière très drôle. Donc j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu un roman de Zoé Brisby l'année dernière, à peu près à la même période, au printemps. C'était Plus on est de fous, qui se passait dans un hôpital psychiatrique que j'avais vraiment adoré de chez adoré. Celui-ci, j'ai bien aimé, mais moins que l'autre. Alors je sais qu'elle en a écrit d'autres. Donc je les lirai, je ne sais pas s'ils sont tous à la médiathèque. Mais en tout cas, c'est sûr que je les lirai, en tout cas les précédents. Peut-être pas les deux derniers qui sont sortis, qui sont des romans plutôt historiques. Je suis pas sûre d'aimer ce style-là chez elle, à voir. Mais en tout cas, ceux qui sont des comédies, je les lirai parce que ça, à chaque fois, ça se lit hyper bien. Et c'est super drôle, un super humour. Et enfin, j'ai fini le volume 1 de la saga Jeanne. Oui, Jeanna, la saga des White Hawks. Donc, dans ce gros livre, en fait, c'est le volume 1 qui contient deux tomes. J'avais lu le tome 1 en octobre, et donc là, j'ai lu le tome 2, et au total, il y a 16 tomes dans cette saga, donc ça fait 8 volumes.
J'ai le volume 2 que j'avais acheté en même temps que le 1. Et je ne sais pas si tous les volumes après sont sortis dans cette édition-là. Parce que quand je les avais achetés, il y avait que les deux premiers. Et je crois qu'entre temps, ils en ont sorti deux autres. Mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont. Mais il y a le temps. Donc en tout cas, là avec ce roman, on change d'époque, on change de continent. Ça se passe au Canada, au début du XXe siècle. Dans le tome 1, on suivait la naissance de la famille White Oak. Un Anglais et une Irlandaise qui se rencontrent dans les Indes, quand l'Inde était encore britannique. Ils se marient, ils ont un bébé, et en fait quand Adeline est enceinte de son premier enfant, ils se disent que en fait ils vont pas rester en Inde. Lui, il était militaire, et du coup il a hérité d'un domaine, ou en tout cas d'une maison, je crois, au Canada, à Montréal. Elle a hérité d'une certaine somme d'argent, et ils se disent, bah, avec tout ça, est-ce que ce serait pas mieux d'émigrer au Canada? Et ils se disent, bah, allez hop, on y va. Donc ils partent de l'Inde vers le Canada, et entre temps ils s'arrêtent en Angleterre et en Irlande rencontrer leur famille. Et du coup après ils partent s'installer au Canada, ils achètent des terres, ils construisent une maison. Donc ça c'est juste dans le tome 1. Et là dans le tome 2, ils ont, ça se passe juste après, ils ont leurs 4 enfants, ils ont leur maison. Et le tome commence avec l'arrivée d'un couple d'amis qui vient d'un état du sud des États-Unis. Et ils fuient la guerre civile américaine parce que eux, ils sont propriétaires d'une grande plantation de coton avec beaucoup d'esclaves. Et il y a eu le discours de Lincoln qui fait que l'esclavage est interdit. Donc les esclaves sont désormais libres. Et du coup, ils se retrouvent sans le sou. Et donc, ils décident d'aller dans la famille White Oak le temps que la situation se calme, d'y voir plus clair. Et franchement, j'ai pas du tout aimé ces personnages américains, très tête à claque. Je n'ai pas non plus aimé la réaction des White Oak qui disent qu'ils sont pas pour l'esclavage, mais en même temps ils accueillent quand même à bras ouverts. Donc il y avait un peu un double discours, un peu hypocrite. En revanche, j'ai beaucoup aimé l'attitude des 4 enfants qui ont des caractères très différents mais qui se complètent. Et qui sont vraiment très attachants parce qu'ils sont pas, ils ont pas du tout la même manière de penser que leurs parents. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant et plutôt sensé par rapport à ce que à tous les adultes qui les entourent en fait. On a l'impression que les adultes sont des grands gamins en fait qui font que des bêtises, enfin qui font n'importe quoi. Alors que quand on a un enfant, finalement, bah, des fois on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Et là, dans ce livre-là, c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, il se passe pas mal de choses autour des enfants, justement, dans ce tome-là. Et donc, le début, j'ai pas aimé. La fin, je n'ai pas aimé non plus. Je peux pas vous dire la fin, sinon je vous spoil une partie de l'histoire. Mais entre le début et la fin, c'était chouette. Tout le temps où on est avec les enfants, qu'on suit les péripéties, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est pas forcément évident à lire parce que c'est une saga historique et familiale, mais qui n'est pas récente. L'histoire a été écrite il y a presque 100 ans par une autrice canadienne. Donc forcément, c'est le vocabulaire de l'époque et c'est les histoires de l'époque. Donc c'est un petit peu vieillot, mais on rentre quand même assez facilement dans l'histoire. Puis surtout, on s'attache aux personnages quand même. Surtout que on suit vraiment l'évolution d'une famille. Donc dans le tome 1, c'était les parents. Là, c'est les parents et les 4 enfants. Et forcément, s'il y a 16 tomes, on va voir les grands-enfants grandir, après on aura les petits-enfants et tout ça. Donc ça peut être très intéressant. Mais voilà, ça a été écrit il y a 100 ans ou presque. Et donc ça se voit dans l'écriture, dans les sujets abordés et aussi même dans la traduction, même si c'est une traduction. On sent que c'est un petit peu vieillot, mais ça reste quand même intéressant. Voilà, donc je pense que comme j'ai le tome suivant, je vais le lire. Si je ne l'avais pas dans ma palle, je pense que j'aurais pas lu, mais vu que je l'ai déjà acheté, bah autant que je le lise. Donc voilà pour le dernier livre que j'ai lu de ce point lecture. Et en ce moment, je suis en train de lire Contre vents et secrets de Cynthia Kafka, que j'aime beaucoup. De plus en plus, j'en suis aux 2/3. Et je dois dire que arrivé passé la moitié, il est vraiment vraiment chouette. Et après, je lirai les Aiguilles d'Or, parce que je l'ai trouvé à la médiathèque mercredi.
de Michael McDowell. Et quand je l'ai vu mis en avant, je dis oh, je le prends tout de suite, parce que sinon si quelqu'un le prend après, je suis pas sûre de le voir de sitôt. Donc je me suis jetée dessus, donc ça sera ma prochaine lecture. Donc voilà, c'est fini pour le point lecture. La semaine prochaine, vous n'aurez pas la vidéo le vendredi, mais le mercredi. Et je compte sur vous, il faut absolument que vous la regardiez, parce que j'aurai besoin de vous dans cette vidéo, de votre retour. Donc surtout, s'il vous plaît, soyez là mercredi, surtout dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes lectures et à très bientôt.